Et c'est parti, du coup, on a le téléphone devant nous. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un chrono. Donc, on voit bien qu'on est à 80% de batterie. Et je vais lancer le temps, voir du coup combien de batterie va être pompée sur cette vidéo. Voir déjà combien de temps je vais prendre. Et puis, bah, suivant le temps, combien de pourcents on a perdu. On va commencer par les caractéristiques de ce téléphone. Alors, je vais pas tous les dire parce que bon, ça risque d'être vraiment très long. Je vais les afficher là sur l'écran. Mais il faut retenir que le processeur, c'est un Snapdragon 865 qui est extrêmement puissant avec l'Adreno. Je crois que c'est le 650, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est un couple qui est vraiment extrêmement puissant. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Vous ferez tout tourner à fond. Vous aurez une fluidité exemplaire, etc., etc. Pas besoin de faire l'éloge plus que ça. On aura ici de la 5G. À l'arrière, on aura un triple capteur photo avec un grand angle, un ultra grand angle et un mode macro. Pas de zoom optique. On aura un écran de 6,55 pouces en 1080p et il sera 90 Hz. Il sera aussi HDR 10+. On aura des haut-parleurs stéréo. On aura aussi un capteur frontal. Alors au niveau des mégapixels, là je vais pas dire parce que je risque de dire une bêtise. On a également un capteur d'empreinte sous l'écran. Je ne l'ai pas activé ici. Il y a une batterie de 4300 mAh sur ce OnePlus 8. On aura deux versions. Ici, j'ai la 128Go de stockage et 8Go de RAM. Il y a aussi une 12Go de RAM et 256Go de stockage. On aura deux tiroirs SIM, mais pas d'extension de stockage. On aura la Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0, un USB 3.1, donc USB-C. On a le NFC, pas de prise jack. Il fait à peu près 8 mm d'épaisseur, il pèse 180 grammes environ et il n'est pas certifié IP68. Donc je le déconseille de mettre dans l'eau, même si je suis déjà sorti avec sous une grosse pluie battante et le téléphone n'avait absolument rien. Voilà, on aurait fait le tour, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à part quelques points. Ça peut être très facilement retrouvé sur le net. On va passer aussi sur la partie design. Sur ce téléphone, on a ici la version noire, donc ici c'est pas un effet mat, mais c'est un effet brillant, donc qui prend les traces de doigts et qui réfléchit bien la lumière. Moi je le trouve plutôt classe comme ceci, surtout avec en fait les tranches qui sont vraiment noires de chez noir, c'est vraiment du plus bel effet, tranches en aluminium, franchement c'est hyper classe, je le trouve vraiment très sympathique. Alors c'est sûr, il fait pas dans l'originalité, mais bon, parfois il y a des trucs de couleur qui moi me laissent de marbre. Mais moi, des trucs aussi classe et stylés que ça et vraiment sobre, moi j'adore beaucoup. Donc évidemment, chacun fera son propre avis là-dessus. On va passer à l'ergonomie de ce téléphone. Alors, moi je le tiens généralement de la main droite. Donc le bouton d'alimentation, enfin du moins on-off, tombe très bien sous le pouce. Et du coup, je le manipule directement, comme vous pouvez le voir. Par contre, les boutons de volume pour mon index sont beaucoup trop hauts. Je suis obligé de le redescendre pour essayer d'activer le volume ou alors d'utiliser mon autre main. Alors que si on l'utilise de la main gauche, eh bien avec l'index on peut facilement atteindre et utiliser le téléphone et on peut facilement avec le pouce accéder aux touches volume, ce qui est plutôt pratique pour le bouton ici, le slider, qui personnellement moi j'adore ce slider, il devrait être sur tous les téléphones. On a le mode sonnerie, le mode vibreur et le mode silencieux. Eh bien il faudra soit déplacer sa main pour pouvoir y accéder, soit utiliser son autre main si vous êtes avec la main gauche à tenir le téléphone. En tout cas, il est présent et c'est franchement cool. Après, ce slider, on l'utilise pas non plus tout le temps, quoi. Au niveau des haut-parleurs, donc il y en a un qui est sur la tranche avant et un autre qui est sur la tranche en dessous et qui se trouve en haut. Moi, comme j'ai l'habitude de tourner mon téléphone comme ceci et de le prendre comme ça, ça n'obstrue pas le haut-parleur qui est ici. Par contre, si vous faites l'inverse et que vous le tenez comme ça, là, le haut-parleur sera obstrué. Donc, il faudra prendre l'habitude de le pencher comme ceci. Alors, l'écran est incurvé sur les côtés, mais c'est très, 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 très léger. Et franchement, pour une fois, pour avoir utilisé plusieurs téléphones avec l'écran incurvé, eh bien, ça ne me dérange pas personnellement. En tout cas, beaucoup moins que si c'était genre les Galaxy S9 ou S8 pour les avoir essayés,
qui là pour le coup était vraiment dérangeant. Pareil pour le OnePlus 7 Pro que j'ai eu, j'ai trouvé l'écran beaucoup trop courbé. Là la courbe n'est pas très prononcée et du coup c'est plus agréable, il y a moins de fausses manips et on est moins dérangé quand il faut manipuler l'écran sur les bords. Donc voilà, c'est plutôt cool et on a toujours ce petit effet lorsqu'on slide par exemple sur le côté où bah, ça fait un léger mouvement. Moi je trouve ça plutôt stylé pour le coup. Alors c'est un écran de 6,5 pouces mais comme vous pouvez voir les bords sont extrêmement fins, encore plus sur les côtés avec l'écran courbé. Le menton est vraiment très fin, le haut est très fin aussi. Et pour le coup, bah, ça fait un téléphone assez compact pour du 6,55 pouces. Malgré tout, bah, en fait, c'est un format, une taille d'écran qui reste pour ma main un entre deux. Je préférerais en fait que ça soit plus petit, genre 6 pouces ou 5,8 pouces. Ça aurait été, je pense, pour moi, parfait. Il aurait eu une excellente prise en main et franchement, j'aurais adoré. Et s'il faisait plus 6,8 pouces, bah, je me serais pas posé la question, je l'aurais pris à deux mains tout le temps et j'aurais eu un écran beaucoup plus grand. Là en fait c'est l'entre-deux, donc je sais pas si je l'utilise à une main, à deux mains, j'hésite. Et du coup bah c'est dommage en fait, j'aurais préféré soit l'un soit l'autre. Et moi personnellement, hein, c'est personnel, hein, ça reste mon avis. Mais le fait que ça soit l'entre-deux, c'est pas ce que je trouve le mieux en fait. Même si il se prend bien en main, les tranches sont arrondies, donc voilà, il y a rien de tranchant, on le tient et ça épouse bien la main. Parce que j'ai connu des téléphones où les bords étaient tranchants et à force ça faisait mal. Eh bien mine de rien, en fait, avec cet écran assez grand, eh bien, on hésite, je suis un peu hésitant, j'ai un peu peur quand même de le faire tomber par rapport au Google Pixel 4 où lui c'était 5,4 pouces, si je ne dis pas de bêtises. Donc je le prenais en main et j'étais sûr de l'avoir en main, j'avais pas peur de le faire tomber, beaucoup moins que celui-là. Surtout que là c'est beaucoup moins le cas depuis le début, mais au début l'arrière était vraiment très glissant. Vous voyez là il est devenu beaucoup moins, donc faudra s'y faire, faudra l'utiliser sans la coque, mais voilà, il glisse beaucoup moins, mais voilà, ça fait un peu peur quand même. Pareil, les bords ici sont quand même assez glissants, là faut faire attention. Là aussi je compare au Google Pixel 4, hein, qui avait des bords un peu plus rêches en fait. Eh bien on pouvait le prendre en main et ne pas avoir peur en le tenant juste sur les tranches. Au niveau du poinçon qui est juste ici, personnellement bah, il m'a pas du tout dérangé en fait, je me suis fait très rapidement, il est sur le coin en haut à gauche et lorsque je regarde du contenu en général je regarde sur la partie centrale de mon téléphone, je regarde très rarement sur les côtés, vraiment les extrémités quoi, donc bah c'est passé tranquille. On aura un micro qui est juste ici, donc faudra faire attention si jamais vous filmez en mode portrait et que bah, vous le tenez comme ça pour filmer, votre doigt pourra obstruer le micro et du coup vous aurez une qualité de micro évidemment pas optimale. Après pour moi il rentrait très bien dans mes poches, j'avais aucun souci là-dessus, il se fait très vite oublier dans la poche parce qu'il est vraiment fin, il est vraiment compact, donc voilà, ça rentre facilement dans une poche. Après, 180 grammes, ça pèse un petit peu quand même. Hein. Au niveau du poids, on ne l'oublie pas aussi facilement que ça. Bon, ça reste pas non plus un pavé. Hein. Il y a des téléphones qui sont beaucoup plus lourds et du coup, pour le coup, c'est vraiment plus gênant. Là, ça reste quand même relativement léger, même si c'est pas ce qu'il y a de plus léger. Et on ne l'oublie pas non plus facilement une fois qu'il est en main. Pour finir, on a les capteurs photo qui ressortent légèrement de l'arrière. Donc, une légère protubération, mais qui n'est pas plus dérangeant que ça, hein, sur le pot sur le côté. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de reculer un peu mon tapis et je recule la caméra en même temps. Eh bien, ça ne bascule pas beaucoup sur les côtés. Donc voilà, c'est pas sur le bas, ce sera encore moins flagrant. Mais voilà, c'est pas extrêmement gênant et du coup, on n'aura pas un téléphone qui sera bancal comme ceci. Donc voilà, c'est pas extrêmement gênant. Après, je suis sur mon tapis, hein, si je le recule là, pour le contraire et que je le mets, si on le met là, hein, voilà, on entend un peu. Mais si on appuie vraiment comme un bourrin sur les extrémités quoi. Si on appuie sur le côté en milieu, bah ce sera pas gênant en fait. Et si on est en bas, eh bien ce sera encore moins le cas. Surtout que bon, il faut vraiment appuyer comme un bourrin pour faire basculer le téléphone. Bon, étant donné que le tactile est assez sensible, hein, il y a juste normalement à poser le doigt et pas besoin d'appuyer comme un bourrin. À moins que vous vouliez défoncer votre écran, mais après ça c'est à vous de voir. Et au niveau du capteur d'empreinte, donc vous pouvez le voir, il se situe juste ici, donc voilà, faut légèrement descendre le pouce et ça se fait assez naturellement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc il faudra une fois appuyer sur l'écran et venir appuyer. Comme vous pouvez voir, c'est très réactif, franchement il n'y a aucun souci, hein. Il y a juste
légèrement posé et bah ça capte tout de suite l'empreinte. Hein. Alors bon, j'ai fait un peu trop rapide, mais voilà, vous voyez un peu le truc. Donc si hop, s'il est complètement éteint, on aura beau appuyer, bah ça dévorera pas. Hein. Mais ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'appuyer là aussi, on tapote une fois, ça fait apparaître l'always on display, on appuie et tac. C'est extrêmement facile. Comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment réactif, c'est vraiment fiable. Hop là, là c'était le capteur de visage. Mais voilà, il n'y a aucun souci. On appuie, c'est très bien détecté. Hop, un peu trop rapide. Il ne faut pas non plus faire un petit tapotage comme ça, mais ça reste quand même très réactif. Et on a aussi la détection de visage, mais attention, c'est pas sécurisé. Moi, j'utilise parce que ça me manque énormément depuis le Google Pixel 4 que je trouvais vraiment excellent. On va voir, mais le truc, c'est qu'il est un peu trop bas pour mon doigt, hein, pour terminer correctement sur cette empreinte, ce capteur d'empreinte. Moi, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus haut, ça aurait été un peu plus agréable. Là, il est vraiment bas, donc il y a quand même une petite contorsion du pouce à faire pour venir chercher le lecteur d'empreinte digitale. Mais bon, après, voilà, c'est pas... Si vous avez... soit que le code, soit le geste aussi que vous pouvez faire, ou la détection de visage, hein, ça pareil, c'est réactif, hop, vous venez là et ça se déverrouille, bien que la moitié de mon visage soit quasiment caché, hein, si je vous montre, tac, voilà, il voit que ça de mon visage et il arrive quand même à me détecter, mais bon. Ça marche extrêmement rapidement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et bien voilà, j'ai à peu près tout dit sur l'ergonomie de ce téléphone. On va maintenant passer à l'interface. Donc on a du l'Android 10 Q avec l'interface Oxygen OS. Donc voilà, une interface qui est vraiment très proche de l'Android stock, à peu de choses près. Il y a quelques améliorations supplémentaires qu'il n'y a pas sur le Google Pixel. Mais voilà, à peu de choses près, c'est vraiment la même chose. Et franchement, c'est une interface qui est extrêmement fluide. J'ai eu aucun bug, aucun lag. J'ai peut-être une appli ou deux qui se sont fermées sans que je le demande, mais qui ont tout simplement planté en fait. Mais à part ça, c'est vraiment un téléphone extrêmement fluide. J'ai vraiment eu aucun souci. Le Snapdragon 865 fait tout tourner à merveille avec les 8Go de RAM. 8Go de RAM, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Ne cherchez pas à avoir le 12Go si c'est pour vous dire « je veux plus de fluidité ». Vous n'en aurez pas. Ou alors, je l'ai pas testé, donc je peux pas dire. Mais je ne pense pas personnellement qu'il y ait plus de fluidité. Hein. Déjà qu'un Snapdragon 765G fait tout tourner extrêmement bien, que ce soit les jeux ou l'interface. À partir du moment où on a 865, on est vraiment tranquille. Alors, il y a des changements qui ont été faits par rapport à l'ancienne interface Oxygen OS, notamment sur la gauche où ce n'est plus les tuiles en fait de chez OnePlus, mais tout simplement le Google Search qui est directement là. Moi, je préfère parce que j'utilise pas mal le Google Search pour voir un peu les news que je peux trouver là-dessus. Donc ça, franchement, c'est vraiment très cool. Après, voilà, on a le tiroir d'application qui est juste ici, qui se fait de la même manière que le Google Pixel. On a les mêmes gestuels, hein, avec un slide plus maintenu pour voir le multitâche. On a, bien entendu, lorsqu'on est sur une appli, le slide vers le haut pour revenir à l'accueil, et si par exemple on vient tapoter ici et qu'on fait un slide ici ou là, on fait un retour en arrière. Donc voilà, donc c'est une navigation reprise de l'iPhone, et personnellement ça me dérange absolument pas, c'est un truc qui marche extrêmement bien, c'est très facile d'utilisation, on ne s'y perd pas, et franchement cette navigation là me convient tout à fait. Alors avant sur Oxygen OS, on avait juste le multitâche comme ceci et on n'avait rien en dessous. Alors on n'a toujours pas les applis, des applis qui peuvent être proposées en fonction de ce qui est ouvert, mais par contre, on a tout un tas d'icônes en dessous maintenant qui représentent en fait tout simplement l'application, et on peut naviguer grâce à cette barre en allant sur les côtés. Donc faut bien la sélectionner et comme ça on peut naviguer tranquillement. Et on peut aussi cliquer pour aller directement sur une appli. Si jamais on voit une appli nous intéresse, on peut appuyer dessus. On rappuie dessus, ça ne fait pas grand chose, ça fait juste sélectionner, hein. Hop. Mais du coup, par exemple, je vois Google Chrome, je vais dessus, clac, je clique et je tombe directement dessus. De la même manière, on peut naviguer entre les applications en faisant un slide, voilà, de gauche vers la droite sur la partie basse du téléphone, enfin sur la barre en fait, tout simplement. Donc hop, j'ai enlevé mon pouce là, ça doit le déranger. Et alors, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas non plus une zone extrêmement large, mais voilà, ça se fait quand même relativement facilement. Hein. On peut faire aussi comme ceci, hein,
ou hop là, là, c'est le Play Store qui s'est rechargé. On peut on faire comme ceci, tac, tac, en faisant un geste un peu plus ample. Et si on veut être plus rapide, hop, on slide sur le côté. Allez, Amazon qui recharge aussi. Hop, hop, voilà. Tout simplement. Et Pokémon qui recharge aussi, décidément. On a toujours ici les notifications avec, en faisant un slide vers le bas sur deux doigts pour afficher plus d'informations ou avoir des options supplémentaires. Par exemple, ici, j'ai reçu un commentaire sur une de mes vidéos. Donc, j'ai pas d'option ici. Mais par exemple, là, j'avais une option. Je peux dire que bah, cet article était utile ou inutile pour moi. Et je peux avoir du coup ici l'option intervalle ou arrêté pour l'horloge. Bien entendu, ça va dépendre des applications. Sur certaines, eh bien, il y a des messages auxquels on pourra répondre directement depuis cette barre des tâches. Et il y a d'autres, eh bien, il faudra absolument ouvrir l'application pour pouvoir répondre à des messages ou à des notifs. Les dossiers restent les mêmes. On a ici, alors au niveau des paramètres, ce sera à peu près pareil aussi. Hein, il n'y a rien de fabuleux, c'est très bien rangé je trouve, et on trouve tout très facilement. On a par exemple ici, tac, voilà, si on veut mettre en clair, on a aussi, hein, là j'étais en mode sombre, mais je préfère le mode sombre, tout simplement parce que déjà ça économise la batterie d'afficher une image noire, et en plus de ça, je trouve que ça éclate moins les yeux. Voilà, après chacun ses goûts. On a aussi une personnalisation des icônes. Donc voilà, on peut mettre les icônes rondes, on peut mettre des icônes carrées, une sorte de goutte, rectangle, entre le rectangle et le rond, voilà. C'est marqué rectangle carré, mais c'est ni rectangle ni carré, quoi. C'est un carré arrondi plutôt. On peut changer aussi le pack d'icônes. Donc on a le oxygène, on a ici hydrogène, et on peut aller chercher d'autres packs d'icônes, donc sur le Play Store. Bon, alors moi j'ai l'Aptoïde parce que j'ai été chargé pour faire certaines choses. Donc il y a un moyen de personnaliser très fortement son téléphone, son OnePlus. Donc voilà, c'est franchement très cool. C'est bienvenu, hein, si jamais il y en a qui veulent pas le même téléphone que les autres, eh bien il y a tout à fait la possibilité de le faire. Vous voyez là le stockage, hein, 128 Go, moi ça me suffit amplement. J'ai 86 Go de disponible encore, et je suis très loin d'utiliser tous les gigas. Donc vous pouvez voir qu'on est sur Android 10, hein, avec OxygenOS 10.5.6. Si on reste plusieurs fois appuyé sur Android 10, voilà, on aura Android 8, on pourra venir déplacer les trucs. Voilà, c'est toujours sympathique et permet de vérifier qu'on est bien sur Android 10. Donc j'ai bien la version 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Ah bah au niveau des caméras, voilà, 48 mégapixels, plus 1 de 16, plus 1 de 2. Donc le 2 c'est pour la macro, le 16 c'est pour l'ultra grand angle, et le 48 c'est pour le capteur principal. Et donc effectivement, on a le 90 Hz qui va venir se chercher de mémoire avancée, voilà, taux de rafraîchissement ici. Donc entre, on a le choix entre le 90 ou le 60 Hz. Mais il n'y a pas de mode intelligent, ça c'est dommage, ça aurait pu être cool. On a bien entendu le multitâche, donc on prend une appli, on reste appuyé et on fait écran partagé. On vient chercher une autre appli qui est compatible, par exemple bah, j'ai Pokémon Go qui est compatible multitâche, même si bon, c'est pas l'appli la plus optimisée pour du multitâche, mais bon, ça fonctionne, on peut le faire quand même. Voilà, si jamais vous voulez mettre une vidéo YouTube et faire le jeu, bien que bon, ça passe plutôt bien, voilà, hein, donc voilà, le multitâche qui est dispo. Pour quitter le multitâche, on vient descendre ici, ou alors slider vers le haut si on veut garder l'appli qui est en bas. Et voilà, ça se fait tout simplement. On pourra aussi venir verrouiller des applications. Par exemple, là j'appuie verrouiller, et si je fais fermer les applis, et bien les paramètres seront restés actifs et seront pas fermés. Et bien entendu, je reste appuyé, je fais déverrouiller, je fais fermer les applis. Et là, si je reviens au multitâche, eh bien, les paramètres auront disparu. Alors, je ne ferai pas de benchmark parce que je trouve ça clairement inutile, en fait, d'afficher des chiffres et dire « Waouh, regardez, c'est lui qui a le plus gros chiffre, c'est lui le plus puissant et tout !» Ouais, ok, c'est cool, mais bon, à vrai dire, est-ce qu'on s'en fout, en fait? Du moment que c'est ultra fonctionnel, que c'est bien optimisé, bah c'est le principal, en fait. Je préfère quelque chose qui a un moins gros chiffre et qui est ultra optimisé plutôt que l'inverse. Après, peut-être que les chiffres sont un indicateur par rapport à l'optimisation, mais bon, ça reste encore à prouver. Là, c'est clairement très bien optimisé, c'est vraiment très fluide, je le répète, hein. On va passer, je passe là maintenant à l'aspect utilisation au quotidien. Et donc, comme je l'ai dit, hein, je l'ai déjà dit et je le redis, mais j'ai eu aucun problème de lag, de bug, de, à part deux applis qui sont fermées. Voilà, ils ont crashé, les deux applis. On a eu que deux. Et sinon, bah,
tout a très bien fonctionné en fait. C'est vraiment très fluide, il n'y a aucun souci, tous les jeux tournent parfaitement. Alors moi personnellement j'utilise Pokémon Go en jeu, voilà, qui est pas... Enfin, c'est quand même un jeu qui est assez gourmand. Hein. C'est un jeu aussi qui tourne en 90 Hz, donc là ce sera vraiment très fluide. Et franchement le 90 Hz dans Pokémon Go, je trouve ça vraiment très cool. Hein. Donc voilà, ça tourne parfaitement. Après là c'est dépendant de la connexion internet aussi, mais voilà, ça marche extrêmement bien. Le fait de voir les Pokémon en 90 Hz, franchement ça change. Ça change pas mal, hein. Je le ressens énormément par rapport à du 60 Hz, donc c'est vraiment très cool. L'autre jeu auquel je joue beaucoup sur ce téléphone, c'est Star Wars KOTOR, qui est juste ici, tac. Donc voilà, ça se lance très rapidement, il n'y a pas de souci. Hop, c'est lancé, on appuie sur continuer, si je clique bien sur continuer. Et voilà, on est sur le jeu, ça marche extrêmement bien. Donc là, il n'y a pas de 90 Hz, là c'est du 60 Hz, hein, ça se voit tout de suite. Mais bon, c'est très fluide. Là aussi, j'ai aucun souci, j'ai eu aucun bug. Ça marche extrêmement bien. Ça se sauvegarde extrêmement rapidement quand j'appuie correctement sur les boutons. Voilà, donc c'est pareil. Je quitte, hop, ça se fait instantanément. Le 90 Hz, bah franchement, c'est très très cool, mine de rien. Y a pas à dire. Comparé à du 60 Hz, moi je le vois la différence, surtout dans les jeux. En fait, c'est surtout dans les jeux. Autant dans la navigation, dans les menus, ça peut se voir, mais c'est pas ce qu'il y a de plus flagrant en fait. C'est surtout lorsque c'est des jeux où la différence se verra beaucoup plus, je trouve. Et ça apporte vraiment une petite fluidité en plus. C'est vraiment très agréable à l'œil. Vraiment, vraiment très agréable. C'est franchement cool. Et pareil au niveau des animations, quand il y a vraiment des grosses animations, par exemple, quand on revient sur l'écran d'accueil quand on fait un slide, pareil au niveau de l'animation ça se voit, et bah c'est franchement cool quoi. Alors c'est pas non plus indispensable, hein, ne mettez pas 700€ dans un téléphone pour avoir seulement le 90 Hz, c'est pas indispensable, c'est vraiment pas indispensable. Le 60 Hz c'est très bien aussi, c'est très fluide avec le 60 Hz, c'est juste qu'on a un effet d'animation ou de slide qui est un peu moins, on va dire, tape à l'œil, qui est un peu moins... c'est moins fluide, parce que ça reste extrêmement fluide, c'est juste que c'est moins smooth, on va dire. Ça veut dire quoi smooth d'ailleurs, si ça veut dire fluide, j'ai l'air con moi. Au niveau du quotidien aussi, ce qui est très important sur le téléphone, c'est l'écran qui est ici juste magnifique. Franchement, c'est un très très bel écran, hein, un grand écran de 6,55 pouces. Alors, 1080p, c'est largement suffisant, hein, pas besoin de Quad HD. Franchement, je venais en plus d'un téléphone Quad HD, j'en ai déjà eu, et passer d'un 1080p, je n'ai vu aucune différence. Franchement, au niveau de l'interface, au niveau des vidéos YouTube, au niveau des photos, peu importe, je ne vois pas de différence. Je ne vois pas les pixels. Donc voilà, le Quad HD n'est vraiment pas nécessaire. Pour moi, c'est vraiment un gadget. Vraiment encore beaucoup, beaucoup plus que le 90 Hz. Autant le 90 Hz, je le vois. Autant passer de la Full HD à la Quad HD, je ne le vois pas du tout. Mais sinon, ça reste un super bel écran, il y a le HDR10, donc voilà, il y a plein de couleurs, c'est un écran de 10 bits aussi, donc voilà, vous aurez plus d'un milliard de couleurs, donc franchement j'ai rien à dire en fait sur cet écran qui est juste magnifique. Et personnellement, moi je recommanderais à ceux qui ont des écrans Quad HD à redescendre en Full HD parce que vous économiserez de la batterie et franchement au quotidien vous ne verrez strictement pas la différence. Alors au niveau du son avec les haut-parleurs, alors certes on a d'un haut-parleur stéréo, hein, on va retourner sur une vidéo YouTube. Donc mettre un petit sondage juste ici et il faudra me dire si oui ou non séparer l'unboxing première impression et la vidéo à vitesse, ça vous intéresse, si ça vous convient mieux. Il faudra me dire dans les commentaires si vous voulez que je sois plus succinct, plus bref. On va mettre une vidéo 4K aussi. Donc voilà, je vous ai mis une petite vidéo en espérant que vous puissiez vous rendre compte un peu de la qualité. Mais bon, à travers un écran, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment très beau. Ce sont vraiment de très belles images. Là, en plus, il y a le HDR. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le mieux pour s'en rendre compte, c'est vraiment de le voir en magasin ou quelqu'un de votre entourage qui a ce téléphone et vous montrer des vidéos. Mais voilà, l'écran est vraiment sublime. Et pour le son, parce que j'étais quand même sur le son, c'est certes c'est stéréo,
Mais franchement, ça apporte pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Certes, c'est appréciable, mais bon, ça reste une qualité qui n'est pas oufissime. Voilà, après, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dégueulasse, hein. Faut pas non plus exagérer. On va dire que ça dépanne, quoi. Ça peut dépanner largement pour des films ou autres. Mais après, si vous voulez prendre ça pour du son et mettre ça en fond sonore, évitez, quoi. Prenez des petites enceintes Bluetooth, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà ce que je pouvais dire pour une utilisation au quotidien de ce que j'en pensais. Donc au niveau de l'écran, au niveau du son, au niveau de la fluidité, vous avez compris, c'est extrêmement fluide. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure, il y a eu aucun bug, aucun souci, ça marche extrêmement bien, tout se lance parfaitement. Le multitâche, tac, hop, moi je relance Pokémon, ça marche parfaitement. Hop, je reviens là, je lance l'appareil photo, je reviens, j'ai relancé l'autre appareil photo, tac, je vais revenir sur mes photos, hop, et puis je vais dévaler comme ça. Et puis, ouh, c'est la fête, voilà, on va jusque là, ça charge ultra rapidement, aucun souci là-dessus. Je peux lancer, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux lancer encore, mon Discord, voilà, hop, allez sur le Discord de la chaîne. Il y a plein de trucs super sympathiques. Hop, regardez, on discute tous comme des petits fous. Je reviens là et j'ai envie, tiens, de lancer, wow, je sais pas, on va dire un petit Twitter. Allez hop, je lance Twitter, ça se lance très rapidement. Hop, je peux déjà naviguer, c'est extrêmement fluide. Ça marche vraiment du feu de Dieu, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait, là-dessus. Parce que, voilà, c'est tout simplement un téléphone qui marche extrêmement bien. Voilà, bon, j'ai envie de vous dire, encore heureux quand je vois la puissance du processeur. Encore heureux que ça marche parfaitement. Alors on va passer sur la partie appareil photo. Et j'ai dit bien appareil photo, hein. On passera sur la partie vidéo ensuite. Donc moi j'ai la Gcam ou la caméra de base du téléphone. Alors j'avais essayé la Gcam, il y a des moyens de la mettre, mais ça jaunit un peu les photos. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a quelques petites configurations à faire ou autre. J'ai pas réussi à tirer de très belles photos, mais bon, ça donne des photos légèrement, je dis bien légèrement plus détaillées à la limite, mais c'est pas non plus extrêmement significatif, sachant que l'appareil photo, il fait vraiment très bien le taf. Donc on a le grand angle, on a l'ultra grand angle et on a un zoom numérique x2, hein, c'est un zoom numérique parce que le troisième capteur c'est pour de la macro, je répète. Donc voilà, il y a l'option juste ici et on peut se rapprocher très rapidement pour prendre une photo. Après, c'est pas un mode que j'ai beaucoup utilisé, hein, pour vous dire, j'ai peut-être l'utilisé une ou deux fois, c'était vraiment pour l'essayer, après j'ai arrêté de l'utiliser. On a la fonction Google Lens où ça va scanner ce qu'il y a devant vous et ça va essayer de trouver tout simplement un article ou autre s'il arrive à détecter l'objet, pointer vers des objets. Donc voilà, il capte un truc, est-ce qu'il va capter que c'est voilà. Donc voilà, j'ai pris la photo et il me dit c'est un Ducky Channel One 2 mini RGB. Donc voilà, très bien. Par exemple, si je mets la souris là, hop, on va mettre la souris la souris Logitech Google Lens, hop, il pointe l'objet, je prends, tac, il me dit c'est une souris Logitech G403. Perdu. Sinon, il me propose la Logitech G Pro Wireless aussi dans les résultats. Donc voilà, il a hésité entre les deux, mais il a trouvé au moins l'une des deux. Peut-être que la 403 est la version filaire de celle-ci. Je ne sais pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, si vous recherchez l'objet, si vous voulez voir, faire des petites recherches internet, voir pour acheter l'objet ou pas. Moi, j'ai mis le quadrillage parce que pour cadrer, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Donc on a le mode 12 millions de pixels ou le mode 48 mégapixels. Alors ça change pas grand chose en soi. Le 48 mégapixels, il faudra surtout l'utiliser quand c'est bien éclairé, si vous êtes dehors avec un beau soleil. Sinon, utilisez le 12 mégapixels. Donc on peut mettre le flash en automatique, activé ou désactivé. On peut mettre un timer. Voilà, il y a vraiment plein de choses. On peut mettre des effets là aussi directement. Donc noir et blanc, on a le vif, mat ou aucun filtre. On a ici le mode portrait. Donc avec soit un petit zoom, soit pas de zoom. Donc là, c'est à vous de voir. On a le mode nuit, donc paysage nocturne. Donc avec soit le grand angle, soit l'ultra grand angle. Pareil, là, je conseillerais d'utiliser que le grand angle parce que l'ultra grand angle en mode nuit, c'est vraiment pas terrible. On a le mode professionnel où vous pouvez gérer plusieurs choses. Par exemple, l'ouverture, vous pouvez gérer la balance des blancs, les ISO. Vous pouvez choisir la mise au point. Et alors ça c'est plutôt la balance, alors non, c'est le gain, je crois que c'est le gain, les IL. Alors je vous avoue que je suis pas non plus ultra calé en photo, hein. Ne prenez pas pour ce que je dis pour argent comptant.
On a moyen de le prendre en JPEG, 48 mégapixels ou en RAW. Donc on a le format RAW, bien entendu, sur les photos sur ce téléphone. Et bien entendu, on a un mode panorama si jamais on veut prendre une photo extrêmement large. Donc voilà, il y a cette possibilité qui est faite aussi. Je vais vous mettre en exemple des photos que j'ai prises avec ce téléphone. Je vous laisse apprécier et vous faire un avis là-dessus. Après, de manière générale, je trouve que les photos sont vraiment très jolies et dans de très bonnes conditions. C'est légèrement saturé, mais bon, ça rend du coup de très belles photos, hein. Pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire faire des photos pour des miniatures YouTube ou des posts Instagram, c'est largement suffisant, hein. J'ai pas besoin de sortir mon appareil photo pour ça, du coup. Pareil, lorsqu'on est dehors, que ça soit l'ultra grand angle, le grand angle ou le zoom, ça marche extrêmement bien. En intérieur, forcément, ce sera un petit peu plus compliqué, même s'il s'en sort plutôt bien. Après, les photos de nuit, eh bien, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, hein. Le Google Pixel 4, je trouve, fait beaucoup mieux. Mais bon, voilà, il y a un mode photo de nuit. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est pas le meilleur appareil photo, mais il prend de très belles photos si vous jamais vous voulez les garder sur votre téléphone, les mettre sur Instagram ou en faire des miniatures YouTube ou sur Twitter ou les partager via Messenger, peu importe. Tout sauf les afficher en grand sur une télé ou en faire des gros portraits, des grosses affiches. Là, ça va être un peu plus compliqué. Alors pour le mode vidéo, et là pareil, c'est un changement que moi je trouve vraiment vraiment très bien. Résolution vidéo, donc voilà, 4K à 30 fps à 180 mégabits. On peut faire du 1080p30, du 1080p60. On peut faire aussi du 4K 60 fps. On peut faire aussi du 4K ciné 30 fps ou 4K ciné 60 fps. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par le 4K ciné, bah c'est fourni avec. On a aussi le ralenti en 720p 480 fps ou le 1080p en 240 fps. Donc voilà, plein de modes vidéo qui sont extrêmement cool. Il n'y a pas de limite de temps. Ça aussi, franchement, la limite de temps qui était de 5 minutes avant a été retirée pour le 4K et ça, c'est franchement cool. On peut utiliser le grand angle ou l'ultra grand angle ou un zoom lorsqu'on est en 4K 30 fps. Si on repasse en 4K 60 fps, on perd du coup tout simplement ces deux modes là. Donc voilà, on n'a pas le choix. Après, c'est pareil pour le 1080p 60 fps, on n'aura pas les deux autres modes. Donc moi je reste en 30 fps, c'est parce que d'une part 30 fps ça suffit en 4K et surtout ça me permet d'avoir un fichier moins lourd et un fichier qui est plus facilement exportable après montage. On a aussi donc le mode ralenti qui est juste là. Donc là on n'a que le grand angle et on a un mode accéléré pour des timelapse où là par contre on a le x2 et l'ultra grand angle aussi. Moi, ce que je trouve cool, en fait, avec l'ultra grand angle, c'est que ça permet d'éviter le crop, parce que par rapport à la photo, comme vous pouvez le voir, il y a un crop. Là, je vois, par exemple, mon Alt-GR sur la barre d'espace, enfin, sur mon clavier. Et si je passe sur le mode vidéo, je ne le vois plus. On a un angle de vision un peu plus grand que en photo. Donc voilà, moi, je trouve ça très pratique quand, par exemple, je veux faire des vidéos face cam sur un téléphone. Alors, j'en ai pas du tout fait avec pour cette fois-ci. Je suis resté avec mon appareil photo. Mais en tout cas, c'est possible et franchement, c'est cool. Pareil, je vais vous montrer des vidéos que j'ai prises en normal, en 4K 30 fps et en panorama et en ralenti. Voilà, ce sont vraiment des super qualités. Pareil, si vous avez une excellente lumière, la vidéo sera vraiment de top qualité. Très suffisant si c'est affiché sur YouTube, sur Instagram ou sur votre téléphone. Et ce sera aussi largement potable sur des télés, par exemple. Et le mode ralenti marche très bien aussi. Par contre, évidemment, si on vient à filmer avec une luminosité qui n'est pas terrible, évidemment, ça va devenir un peu plus dégueulasse, un peu plus brouillon. Ce sera pas le meilleur en mode nuit pour la vidéo. Après, voilà, ce sera pareil quasiment pour tous les téléphones, hein. Ce sera pas magique. On a quasiment fait le tour de ce téléphone. Je vais passer maintenant sur l'autonomie qui, pour moi, est très très bonne. Alors, moi, je l'utilise toute la journée sans aucun souci, sans le recharger. Je commence la journée, je le débranche vers 8h30-9h et je termine la journée donc en faisant beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de visionnage d'articles. Par exemple, quand je vais là ou sur l'application aussi. Pareil, je vais beaucoup checker par exemple YouTube Studio et voir s'il y a eu des nouveaux commentaires. Je regarde pas mal les photos des fois quand j'en vais en chercher. Je joue pas mal aussi à Star Wars KOTOR, hein. J'y joue plusieurs fois dans la journée et c'est surtout à ce jeu-là que je joue le soir avant de me coucher pour vider un tout petit peu la batterie. J'utilise pas mal Discord aussi, tout ce qui est Facebook Messenger, j'utilise beaucoup.
Eh bien, je termine avec, en général, 35, 30, 25% vers 22h30, 23h, voire plus. Il se recharge extrêmement rapidement et ça, c'est franchement un point qui est super cool. Quand je veux le charger, par exemple, avant de partir, je sais que je vais partir à telle heure, je le mets 30 à 1 heure avant à charger et il est quasiment à 100%, voire à 100% avant de partir. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mentionner quand c'est présent sur un téléphone parce que je trouve ça extrêmement pratique et ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment beaucoup utilisé le téléphone. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû le recharger vers 18h, 19h. Je le mets une petite heure, voire 30 minutes et je le recharge à plus de 60-70% et je repars pour jusqu'au lendemain. Je fais un petit peu plus attention à la limite si je veux terminer dans le soir ou je le recharge à un autre moment. Mais voilà, c'est tellement extrêmement rapide que je le mets un petit coup, je fais autre chose, je reviens et il a pris 50% et ça c'est franchement très très appréciable, c'est franchement très cool ce genre de choses. Alors attention par contre, il n'a pas la recharge sans fil et ça c'est dommage, surtout que le OnePlus 8 Pro là et OnePlus a fait une station pour aller avec son OnePlus 8 Pro qui propose plein de fonctions ultra intéressantes je trouve, dommage qu'il n'y soit pas là du coup, mais bon, après moi j'utilise très très peu la recharge sans fil. Donc voilà, ça me dérange pas personnellement, mais voilà, faut le mentionner si vous êtes adepte du recharge sans fil, il n'y est pas sur ce téléphone. Pareil, il n'y aura pas non plus la recharge inversée si vous l'utilisez. On va aller vite fait dans les paramètres, dans les réglages au niveau de la batterie que je puisse vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ? Alors, consulter l'utilisation détaillée. Donc voilà, j'ai fait du YouTube, alors OnePlus, Le Bon Coin, appareil photo, Pokémon, Chrome, machin et tout. Sachant que je l'ai rechargé il y a pas très longtemps, donc voilà, je l'ai pas énormément utilisé. Mais j'ai fait surtout du YouTube. Donc on va faire utilisation de la batterie depuis... c'est déjà depuis la dernière charge complète. Est-ce que je peux avoir d'autres screens ? Dernière charge complète, il y a 7 heures. Et du coup, voilà, l'utilisation de l'écran depuis la dernière charge complète est déjà de 2h28. Donc voilà, je peux durer encore longtemps avec ce téléphone en ayant l'écran allumé. C'est franchement très cool. À titre d'exemple, je fais des livraisons avec Stuart, avec l'appli Stuart qui est ouverte. Voilà, juste ici, j'utilise souvent du coup le GPS Google. Je pars en vélo pendant 3-4 heures. Donc le GPS tourne constamment, mon écran est très souvent allumé. Je pars à 100% et je reviens, j'ai à peu près 50-40%. Donc voilà, c'est vraiment une batterie qui tient extrêmement bien. Bon et bien voilà, mon avis sur ce téléphone du coup, c'est un téléphone que j'ai beaucoup aimé utiliser. Forcément, je vais bientôt le changer, je vais avoir un autre 10 Plus parce qu'il y aura quelque chose d'intéressant à tester avec ce Note 10 Plus avec un autre produit que je vais avoir. Si jamais vous voulez une vidéo sur le Note 10 Plus, dites-le moi et puis j'en ferai une. C'est un téléphone qui est extrêmement fluide, qui est très agréable vraiment à utiliser. L'interface est vraiment très sympathique, très cool, très facile d'utilisation. On s'y retrouve rapidement, il y a plein d'options et franchement ça marche extrêmement bien. L'écran est vraiment magnifique. Moi j'adore surtout ces téléphones là où les bordures sont vraiment très très fines, où on a quasiment que l'écran. Je suis déjà revenu sur un téléphone qui avait des grosses bordures et je me dis mais waouh, j'ai l'impression de revenir dans le passé mais genre avec un Nokia 3310 quoi. Voilà, je me suis vraiment fait à ces écrans plein format ou écran plein format, c'est-à-dire avec des bordures ultra fines qui prennent quasiment toute la face avant, je trouve ça juste magnifique. Donc avec un écran HDR 10+, 10 bits, malgré qu'ils soient en 1080p, je le trouve vraiment très 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 beau. Moi au niveau du design, comme je l'ai dit, je le trouve sobre, vraiment qu'ils soient en noir comme ça, avec les bordures vraiment très noires, vraiment noir sombre, franchement j'adore, je le trouve très classe. C'est vraiment l'une des rares fois où j'ai un téléphone Android qui bug vraiment très peu, qui lag très peu, voire pas du tout. Le Google Pixel 4 était l'un des premiers téléphones Android, je me suis dit ah oui, effectivement, Android, là, ça marche vraiment extrêmement bien maintenant. C'est vraiment super cool. Là, c'est pareil que ce OnePlus 8, qui, d'ailleurs, avait déjà des téléphones extrêmement fluides. Mais bon, on trouvait quand même quelques bugs. Et je trouve que Android, vraiment, se stabilise beaucoup plus avec le temps. C'est vraiment digne de iOS maintenant, je trouve. Parce que avant, j'y avais tendance à dire que iOS plantait beaucoup moins qu'Android. C'était beaucoup plus fluide. Et ça ne m'empêchait pas non plus d'utiliser des téléphones Android. J'ai souvent switché entre iOS et Android. Mais là, pour le coup, Android, je trouve qu'il n'a plus rien à envier en termes de fluidité et de stabilité à iOS. Donc voilà, ils ont vraiment fait de super boulot là-dessus.
C'est un téléphone que j'adore pour consulter mes messages, pour regarder des vidéos YouTube et lire des articles aussi. Voilà, donc c'est vraiment un téléphone que j'ai adoré utiliser et que j'adore toujours utiliser pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment top. J'utilise toujours l'appareil photo et l'appareil vidéo dans de très bonnes conditions, hein, lorsqu'il fait vraiment très beau, ou du moins dehors. Très peu en intérieur et j'utilise quasiment jamais de nuit. J'ai très peu utilisé de nuit. Donc voilà, moi c'est des photos et des vidéos qui me suffisent amplement. Surtout que j'utilise pour de l'Instagram, j'utilise pour des miniatures YouTube, j'utilise exclusivement en fait quasiment que pour ça, ou envoyer via Messenger ou Discord, peu importe. Du coup, moi ça me suffit amplement et voilà, c'est la qualité, je la trouve vraiment top sur la photo, même si ce ne sont pas les meilleurs. Au niveau de la personnalisation, pareil, c'est assez poussé. On peut mettre, bien entendu, d'autres launchers grâce au Play Store. Mais bon, moi, celui-là me convient très bien. Hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fiche d'avoir le même téléphone que les autres. C'est une interface que j'adore, qui me plaît beaucoup. Donc, voilà, moi, je l'ai gardé. Alors, il a subi une chute, tiens, tant que je vais faire. Parce que bon, en général, je ne fais pas tomber mes téléphones exprès pour voir leur résistance. Mais voilà, il a subi une chute à peu près d'un mètre. Et bon, il a juste eu ça. Bon, ça fait quand même un petit choc, voilà, ça me fait un peu chier. Mais bon, l'écran n'a absolument rien. Ça a l'air d'être un téléphone qui est quand même robuste. J'ai gardé la protection d'écran qui est sur le téléphone fournie de base, même s'il commence à y avoir des bulles sur les extrémités. Voilà, c'est pas un truc non plus top qualité. Il vaut mieux prendre un écran en verre trempé qui sera beaucoup plus efficace. Et voilà, ça prend un peu les rayures, ce type de protège-écran. Alors que le verre trempé, ça prend beaucoup moins les rayures. Donc grosso modo, c'est un téléphone qui m'a beaucoup plu. Le seul aspect vraiment qui me dérange, alors c'est pas non plus c'est pas un truc rédhibitoire, c'est pas non plus quelque chose qui m'a énormément énervé, mais c'est ce format 6,55 pouces où c'est un entre-deux, entre très grand et entre petit. Donc voilà, j'aurais préféré soit un écran de 6 pouces. Franchement, je pense que 6 pouces ça aurait été, avec ce format-là, avec des bords aussi fins, ça aurait été pour moi l'idéal. Ou alors une version 6,8 pouces, vraiment un grand écran. Et là, je me dis, ok, là, je l'utilise à deux mains et je me fais pas chier à l'utiliser à une main de peur de le faire tomber. Que là, c'est entre les deux, donc j'hésite, je tiens une main ou pas, même si je tiens bien une main, j'ai quand même peur, parce que ça peut être un peu glissant, surtout sur les bords, là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce téléphone, ça reste que mon avis. Si vous avez des questions sur ce téléphone, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et j'essaierai de vous y répondre, au mieux. J'espère que cette vidéo, du coup, avec le téléphone un maximum en visu, parce que bon, c'est quand même le téléphone qui est le plus intéressant, vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser évidemment un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez être au courant de mes prochaines sorties de vidéos, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre serveur Discord, Twitter, Facebook, Instagram. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.